Mais la bonne nouvelle est que Dieu nous a préparé une place où il n'y aura plus de guerre, où il n'y aura plus de souffrance, où il n'y aura plus de maladie. Amen, amen, amen. Et bientôt et très bientôt. C'est la victoire sur la peur. La victoire sur la peur. Parce que avec tous les événements qui se passent, beaucoup de gens ont peur avec tout ce qui se passe dans le monde. Romains chapitre 8 au verset 33 nous dit « Qui accusera les élus de Dieu ?» C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation ou l'angoisse, ou la persécution ou la faim, ou la nudité ou le péril, ou l'épée, selon qu'il est écrit? C'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. On est des plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Amen. Seigneur, je te remercie ce matin pour ta parole. Qu'elle imprègne tous les cœurs ici, que personne ne sorte d'ici sans avoir été touché par toi, sans avoir été marqué par toi. Je lis toute puissance de l'ennemi et j'amène toute pensée captive en Jésus-Christ. Et tout le monde dit Amen. Amen. J'aimerais vous partager quelque chose qui est très important. Beaucoup de gens sont troublés. Puis je veux féliciter le gouvernement canadien qui s'est tenu debout. Amen, notre premier ministre et tous les députés qui ne se sont pas laissés abattre avec ce qui s'est produit. Mais ce matin, je vais vous partager quelque chose. Il y en a peut-être qui vont être surpris. Et de qu'est-ce que je vais vous amener, mais qu'est-ce que je vais vous amener ce matin, c'est des vérités que peut-être vous ne connaissez pas, mais je veux vraiment les amener avec amour afin qu'on puisse comprendre qu'est-ce qui se passe en arrière de tout ce qui se produit. Quelque chose qui est très important dans Matthieu 24, au verset 6b, il dit « Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés. » Ou le mot « troublé » ici, « gardez-vous d'avoir peur ». Dans le fond, n'ayez pas peur avec tout ce qui se passe, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Et je remarquais cette semaine, à travers de tout ça, tous les gens, beaucoup de Canadiens qui étaient bouleversés. Je veux vous dire, c'est important, écoutez bien, comme chrétien, il ne faut pas avoir notre cœur troublé avec ce qui se passe. Écoutez bien, la bonne nouvelle est, ça va être de pire en pire. Mais la bonne nouvelle est que Dieu nous a préparé une place où il n'y aurait plus de guerre, où il n'y aurait plus de souffrance, où il n'y aurait plus de maladie. Amen, amen, amen. Et bientôt, et très bientôt, on s'en va chez nous. Hallelujah! Chez nous, Dieu nous a préparé une place. Et moi, j'ai réclamé mon condo devant la mer de cristal. Hallelujah! Ma femme a dit, mais peut-être j'habiterai à côté de toi. Je pensais que tu voulais vivre dans le même condo que moi. Hallelujah!
C'est important qu'on se garde d'être troublé avec tout ce qui se passe. Parce qu'il va en avoir de plus en plus des catastrophes. Puis écoutez bien, tout à l'heure, je vais aller plus en profondeur. Et des gens où la noirceur va venir sur eux et les envahir de mauvais esprits. Ça me fait penser un jour, j'avais rencontré le corporal à ce moment-là, qui avait tiré au Parlement de Québec, je ne sais pas si vous vous souvenez de ces événements-là, et je l'avais rencontré en prison. Puis, il était supposé de venir me voir avant qu'il fasse ça. Il dit, il y a quelque chose qui me disait, « Va pas voir Jean Turpin. » Pourquoi? Parce que les ténèbres le couvraient et il était pour commettre des atrocités et qu'il a commis. Puis après qu'il était en prison, j'ai été le voir, puis il me disait, il y a quelque chose qu'il me disait, parce qu'il était supposé de venir me voir avant. Sa femme voulait qu'il vienne me voir. Puis il y a quelque chose qu'il disait dans son cœur, « Va pas voir Jean Turpin. Va pas voir Jean Turpin. » Pourquoi? Parce qu'on a la lumière en nous. Et ce matin, ce que je veux vous amener, c'est un peu de lumière à travers tout ce qui se passe. Vous savez, ici, on voit que sept peurs qui menacent les chrétiens. Et une de ces peurs-là qu'on voit ici, c'est l'accusation qui essaie de venir ici contre les frères et les sœurs. Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Vous devez comprendre, l'ennemi, son ouvrage, c'est de vous accuser, de vous faire croire vous n'êtes pas rendu assez bon encore. C'est son ouvrage. Le diable est venu pour accuser, détruire. Et ce que je remarque beaucoup, une des accusations où le diable travaille beaucoup, c'est les nouveaux chrétiens, où quand quelqu'un est après cheminer. Vous savez, il y a des choses que si moi je ferais, ça serait péché pour moi, mais ça ne sera pas péché pour vous parce que vous n'êtes pas rendu là encore. Parce que qu'est-ce que l'Esprit de Dieu doit vous montrer qu'est-ce qui est bon ou qu'est-ce qui est mauvais? Et chacun de nous, on chemine à différents degrés. Êtes-vous d'accord avec moi? Et c'est là, c'est important de respecter le cheminement de chacun. Je vais vous donner un exemple. Je fais trop moins. Puis là, tu regardes toutes les femmes qu'il n'y a pas. Waouh! Et on le sait que ce n'est pas correct si on ne les regarde pas bien. Vrai ou faux? Amen, amen. Mais je tiens à vous dire, si le gars, c'est là qu'il est rendu dans son cheminement puis il demande pardon à Jésus, il est pardonné. Il est pardonné. Amen. Les femmes, la même chose, si ça vous arrive. Mais on doit respecter le cheminement. Il ne faut pas prendre, s'en aller avec le diable. Regarde ça, qu'est-ce qu'il fait à lui? Il n'est pas un cadeau. Non, laissez Dieu convaincre les gens. Je me souviens, souvent, les femmes arrivent à l'église, les premières fois, les jupes. Puis là, je vois les femmes qui regardent le mari. « Ouais, si le mari ne regardera pas vers là. » Mais je tiens à vous dire, qu'est-ce qui est important? On ne peut pas juger la personne qui rentre pour la première fois parce qu'elle n'a jamais appris qu'il ne faut pas montrer ses cuisses en public parce que ça va tenter les hommes, les femmes. Et d'être assez bien couvert du haut aussi. Pas ça déborde. Très, très important. Amen, amen, amen. Mais écoutez bien, je remarque que l'ennemi est venu nous accuser. C'est un accusateur. La Bible nous dit dans Apocalypse 12, 10b, « Car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu, jour et nuit. » Et je remarque qu'une autre place où souvent l'accusateur vient, c'est quand tu es malade.
Est-ce qu'il y en a qui ont déjà expérimenté ça? Quand tu es malade, l'accusateur vient. Je sais que j'étais malade une semaine passée. Je me disais, j'ai-tu fait de quoi de wrong? Puis j'ai dit, non, je refuse. Satan, je refuse. Je suis la justice de Dieu. Amen. Dieu m'a justifié une fois pour toutes. Et si je ne suis pas assez bon, il va me rendre meilleur. Parce que lui a payé tout le prix à la croix de Golgotha. Ça veut dire, c'est important, vous êtes juste pas à cause de votre justice. Vous êtes juste à cause de qu'est-ce que Jésus a fait sur la croix de Golgotha. Amen, amen. C'est pour ça, tout à l'heure, préparez-vous. Je sens qu'une personne qui a des problèmes assez graves avec ses yeux, je ne sais pas si c'est embrouillé, vous allez voir, Dieu va vous ouvrir les yeux au complet aujourd'hui. Tout à l'heure, on va mettre une chaise, des jambes. S'il y en a qui ont des jambes qui sont plus courtes qu'une ou l'autre, amen, on va prier pour vous, pour que vos jambes rallongent et deviennent égales. On va prier pour les membres aussi qui sont défectueux. Hallelujah! Préparez-vous, je sens que ça va être puissant. Pourquoi? Parce que Dieu est puissant. Enfin, laissez pas l'accusateur. Souvent, j'entends des gens, oh, mais je ne peux pas aller à l'église, je ne suis pas assez bon. Mais c'est bien dans quoi? Pour moi, à l'église, c'est comme il y a des douches ici en avant. Puis quand tu es sale, qu'est-ce que tu fais? Tu vas prendre ta douche. Amen! Et l'église, il y a des douches ici en avant. Si vous êtes sale, venez, Jésus va vous laver. Il va vous laver au complet, puis il ne vous accusera pas non plus. Il va vous accueillir tout grand dans ses bras parce qu'il vous aime. Enfin, je vois une des peurs souvent, c'est que les gens ne se sentent pas assez bons pour qu'est-ce que Dieu veut faire. Amen. Laissez-vous pas en voir. La deuxième peur ici qu'on voit, il dit, qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation? La tribulation aussi, c'est l'oppression et la pression qui vient. Jean 16, 33 nous dit, « Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage. J'ai vaincu le monde. » Vous allez avoir des tribulations, des persécutions. Moi, j'en ai eu. Amen. Puis j'en ai encore parfois. Mais Dieu nous dit, « Prends courage, c'est normal. » Les gens ne comprendront pas toujours qu'est-ce qui se passe. 1 Thessaloniciens 1, 6 nous dit, « Et vous-même, vous avez été mes imitateurs, Paul dit, et ceux du Seigneur, en recevant la parole au milieu de beaucoup d'afflictions, avec la joie du Saint-Esprit. » Amen. Fait que je veux vous encourager. Les gens, souvent, ils ont peur des tribulations. Et souvent, on voit la parole est semée, mais à cause des tribulations, il y en a qui arrêtent de suivre le Seigneur. Je veux vous encourager ce matin. Moi, au début de ma conversion, je me souviens, mon père disait, il est fou raide. C'est drôle, quand je me saoulais puis je me droguais, tout le monde disait, il est bon, Jean, c'est tout un homme. Puis là, tout le monde, après, je me convertis, je ne bois plus, puis je ne prends plus de drogue. Il a tombé sa tête. Je suis donc heureux d'avoir tombé sur la tête. OK? Fait que c'est normal, vous allez avoir. Puis, troisièmement, ça nous parle de la peur. Les gens deviennent angoissés. Ça, c'est une peur. Puis le mot angoisse veut dire c'est peur intense face au sentiment d'un danger imminent. Luc 21, 25 nous dit, « Il y aura des signes dans le soleil, dans la lune et dans les étoiles et sur la terre. Il y aura de l'angoisse chez les nations. » Puis qu'est-ce qui s'est produit cette semaine? Il y a eu de l'angoisse, amen, au Canada, vrai ou faux? Même moi, je regardais ça, puis je disais, c'est notre beau pays de paix. Mais il va y avoir des angoisses chez les nations qui ne sauront que faire au bruit de la mer et des flots.
Et je me souviens quand Dieu dit, il va y avoir des signes dans le ciel. Lorsque j'étais à Saint-Paul, Minneapolis, Minnesota, pourquoi je me trompe tout le temps? Ah, c'est les deux sont ensemble. C'est deux villes, mon mais c'est Saint-Paul, Minneapolis, ça se dit. Minnesota. Merci, ma femme. Si ma femme ne serait pas là, je vous le dis, je ne serais pas ici en avant. Et ce matin-là, je ne savais pas si c'était l'éclipse lunaire. Et dans plein milieu de ma fenêtre de chambre, mes rideaux étaient ouverts. Tout d'un coup, je vois la lune, mais rouge, brune. Puis j'ai dit, mon Dieu, je n'ai jamais vu la lune de ce couleur-là. J'ai dit, ça se peut-tu, c'est l'éclipse lunaire? Puis là, après ça, je commençais à penser, ma femme m'avait dit oui dans quelques jours. Enfin, j'ai dit, ça devrait être l'éclipse lunaire. Mais écoutez-moi bien. Qu'est-ce que je vais vous dire ici? Je n'essaie pas de vous faire peur, mais j'essaie de vous ouvrir à ce qui se passe. Et au même moment que je voyais l'éclipse lunaire, je voyais Isis qui s'élève un peu partout, mais des démons qui sortaient comme des enfers, et qui envahissait les nations, qui envahissait des gens qui devenaient possédés de haine, qui devenaient possédés. Écoutez bien, on ne lutte pas contre la chair et le sang. On lutte contre des mauvais esprits dans les lieux célestes. Et je voyais Isis, son côté, qui s'élevait, et je voyais Ebola, en même temps, qui s'élevait, et qui a créé, vrai ou faux, une angoisse horrible sur la terre présentement. Vous allez, moi, je vous le dis, hein, j'ai juste expérimenté, je faisais de la fièvre quand j'étais à l'hôpital à Saint-Paul. Puis quand elle a vu que je faisais de la fièvre, puis j'ai dû simplement me demander, « As-tu été en Afrique? » J'ai dit oui, 3 mois passés. Elle a reculé dans le mur. Elle a reculé dans le mur. Elle a dit, mets-toi quelque chose. Puis là, j'ai dit, écoute, j'ai pas Ebola même. Là, elle tremblait de peur. Elle tremblait de peur parce qu'elle pensait que j'avais Ebola. Fait que là, j'ai eu un service plus rapide. Tu sais comment tu es obligé d'attendre en urgence? J'ai eu un service rapide, croyez-le. On m'a amené une chaise roulante pour on voulait me décoller du chemin. L'isolement, méprisé et abandonné des hommes, on n'a fait de lui aucun cas. Mais je veux juste vous encourager ce matin. Il ne faut pas avoir peur. Dieu nous dit, gardez-vous d'être troublés avec toutes ces choses. Il faut que ces choses arrivent. Il faut que ces choses arrivent. Puis aussi, ça nous parle, une quatrième peur que les gens ont beaucoup peur, c'est d'être persécutés. Pas à cause de votre mauvais caractère. Il y en a qui sont persécutés à cause de leur mauvais caractère. Persécutés à cause de l'Évangile. Les gens vont vous dire, mais ma gang de malades, vous autres, voulez-vous arrêter? Est-ce qu'il y en a qui ont déjà été persécutés pour l'Évangile? Bienvenue au club. Ceux qui n'ont jamais été, c'est parce que vous ne parlez pas trop fort. Mais si vous, si vous commencez à parler de l'amour de Dieu, vous allez être persécutés pour l'Évangile de Jésus-Christ. 2 Corinthiens 12, 10 nous dit, c'est pourquoi je me plains dans les faiblesses. Dans les outrages, c'est Paul ici qui parle, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses pour Christ. Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. J'aurais dû être très fort dans la dernière semaine. Et je vous dis, je me sens en parfaite santé. Ceux qui pensent, je ne suis pas prêt à mourir, rien, c'est juste, je crois, c'est un médicament que je prenais qui a fait un contre-effet sur moi. Je crois que c'est ça. Je suis vivant.
2 Thessaloniciens, chapitre 1, verset 4. Aussi, nous glorifions-nous de vous dans les églises de Dieu à cause de votre persévérance. Je vous félicite ceux qui ont été persécutés, qui ont passé pour des nonos, qui ont passé pour des bozos. Moi, je me souviens, j'ai été persécuté de mon propre père. Quand je me suis converti, il dit, il est fou, il est vraiment fou. On va l'envoyer dans un hôpital psychiatrique. Il est fou. Tout ce qu'il fait, il parle de Jésus. Tout ce qu'il fait, mais c'était plus fort que moi. J'ouvrais la bouche, puis j'avais une belle femme devant moi. Je jouais encore dans un club. Puis je parlais, oh, Jésus est bon. C'était plus fort que moi. Je parlais de Jésus partout. De l'abondance du cœur, la bouche parle. Et j'ai même vu des propriétaires d'hôtels qui venaient me voir parce qu'on priait dans la chambre quand on jouait. Seigneur, touche les filles qui sont là. Touche les gars qui sont là, Seigneur. Et on allait jouer après. Puis là, je faisais un slow où les gens dansent ensemble. Ça, c'est dans un club. Puis je demandais, Seigneur, que ta bénédiction descende sur eux. Que ta protection... Ta protection descende sur un propriétaire. Il dit, écoute, t'es après vider l'hôtel. Là. Il dit, c'est pas une église ici, là, franchement. De Timothée 3,11 nous dit, mes persécutions, mes souffrances, à quelle souffrance n'ai-je pas été exposé à Antioche, à Icône, à Liste? Quelle persécution n'ai-je pas supporté, et le Seigneur m'a délivré de tout. Ça veut dire Dieu est toujours avec nous. Vous lui avez donné votre vie, Dieu est avec vous. Amen, amen, amen. Et aussi, il parle, les cinquièmes parts, il y a des gens qui ont peur. Il y a beaucoup de faim, puis de la nudité, ça veut dire... Il y a une pauvreté extrême. Vous savez qu'à toutes les 5 secondes, il y a un enfant qui meurt parce qu'il n'a rien mangé. À toutes les 5 secondes, il y a un enfant qui meurt parce qu'il n'a rien à manger. Moi, je remercie Seigneur pour notre beau pays. Puis je veux juste vous dire aussi comme pasteur un avertissement. Vous savez, je le dis pas pour faire paniquer, mais je vous avertis comme homme de Dieu, s'il y a une catastrophe qui se produit, un manque d'électricité cet hiver, pendant 2-3 jours, vous savez, dans 3 heures, il ne reste plus rien dans les magasins. Je ne vous dis pas de vous préparer pendant 7 ans de temps, mais ayez un peu de stock pour 2-3 semaines, 1 mois, comme vous le sentirez dans votre cœur. Ce n'est pas pour essayer de vous faire peur. Mais c'est d'être sage aussi. Avec tout ce qui se passe dans le monde, croyez-le, je crois que ça va aller en empirant. Ici, à l'église, on va faire installer un générateur auprès de notre fournaise. Comme ça, tous les chrétiens du Centre Réveil, vous allez pouvoir venir vous réchauffer. Amen, amen. Surtout s'il fait moins 30 puis vous n'avez plus de fournaise chez vous, on va vous donner un banc, vous allez pouvoir dormir sur chaque banc. On va vendre les bancs la nuit. Non, non, c'est une farce. Mais, écoutez bien, ça nous parle aussi des périls. Paul, souvent, sa vie a été en danger. Amen. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur de tout ce qui se passe dans le monde. Amen. Gardez-vous d'être troublé. Préparez-vous parce que je vais vous dire quelque chose peut-être qui va un peu vous ébranler. Mais la vérité nous rend libres. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. 2 Corinthiens 11, 26 nous dit, « Fréquemment en voyage, ça c'est Paul, j'ai été en péril sur les fleuves, en péril de la part des brigands, en péril de la part de ceux de ma nation, en péril de la part des païens, en péril dans les villes, en péril dans les déserts, en péril sur la mer, en péril parmi les faux frères. » Amen. Et c'est normal.
que des fois, on va être en péril. Des fois, je ne comprends pas toujours tout ce qui peut, mais tout ce que je sais, on va voir la puissance de Dieu agir au milieu de nous de plus en plus. On va voir les miracles s'accomplir de plus en plus parce que Jésus est vivant. Amen. Et c'est son royaume. Et dans son royaume, écoutez bien, c'est un Dieu d'amour qu'on a. Dis à ton voisin, c'est un Dieu d'amour qu'on a. Tout cela pour vous dire, parce que le prochain, les gens ont peur de la mort. Les gens ont peur de la mort et ça parle de l'épée. L'épée, ça nous parle de la mort. Mais nous, les chrétiens, on a l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Et je confesse aujourd'hui sur chacune de vous, amen, la protection de Dieu, la bénédiction de Dieu. Et que les anges du Dieu Tout-Puissant vous accompagnent partout où vous irez. Alléluia. Confessez la parole et ses promesses sur vous et vos enfants. Alléluia. Deutéronome 33, 27 nous dit, « Depuis toujours, il est ton refuge. Depuis toujours, sa puissance est grande ici-bas. C'est lui qui chasse tes ennemis devant toi. » et qui t'ordonne de les exterminer. Alléluia. C'est pour ça quand Pierre a sorti son épée, quand ils sont venus pour chercher Jésus, que Jésus avait été vendu par Judas, puis qu'il a coupé l'oreille du serviteur, Jésus a guéri le serviteur, puis dit, mets ton épée à ta place. Celui qui utilise l'épée va mourir par l'épée. Et écoutez bien, je veux vous faire un avertissement ici. Qu'est-ce qui se passe au Canada présentement? Est-ce que tout le monde a les oreilles ouvertes? Écoutez bien, je ne veux pas semer une haine contre les musulmans. J'aime les musulmans. Est-ce que vous me suivez? Mais je veux juste vous réveiller à qu'est-ce qui se passe dans le monde musulman. Dans l'islam. Visitez le site web centrereveil.com pour participer à nos services en direct. Pour un don mensuel de 20$ ou plus, devenez partenaire de l'émission Réveil et recevez le DVD du mois. Vous pouvez faire vos dons en ligne avec Visa et Mastercard ou un chèque par la poste. Et nous apprécions votre soutien. Je vais vous faire jouer une vidéo. Pas pour vous faire peur et semer de la haine. C'est temps que les chrétiens se réveillent. Et je fais jouer ce vidéo. Écoutez bien, j'arrive de la Belgique il y a un mois.